thought I'd get my mind off of you. We stayed up late. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous vous portez bien. Ce week-end, j'étais toute seule avec les enfants et je vous ai filmé un petit peu quelques petits passages de ce week-end. On est pas mal sortis, on a fait des promenades et on a aussi terminé de remettre toute la maison en ordre à zéro pour partir sur de bonnes bases à la rentrée. J'étais bien occupée pendant ces 2 jours. J'ai pas arrêté du matin au soir. J'avais aussi le feu à gérer puisque Thomas n'était pas là. Mais dans l'ensemble, tout s'est très très bien passé. Et je me suis mis les objectifs de bien terminer tout ce que j'avais entrepris, que je vous avais montré dans ma dernière vidéo, donc notamment le bureau. Et je suis très contente, vous allez voir tout à l'heure, j'ai tout terminé. Et d'ailleurs, pendant que je fais cette voix off, je suis dans mon bureau et je suis trop contente d'être enfin bien installée, que tout soit bien en ordre. Voilà, je vais pouvoir bien travailler efficacement. Et donc, nous voilà justement dans ce fameux bureau. Donc, dans la dernière vidéo, je vous avais montré tout le début du rangement, et donc là j'avais encore pas mal de petites choses à faire, notamment trier tous les livres. Donc j'ai fait plusieurs piles et tout ce que vous voyez dans les sachets, c'est tout ce que je veux vendre ou donner. Voilà, donc j'ai gardé vraiment les livres importants pour moi et ça fait une petite bibliothèque comme ça et c'est largement suffisant. J'en avais beaucoup beaucoup trop et encore là je pense qu'il y en a certains qui vont aussi être vendus à l'avenir, notamment les livres de cuisine que finalement on ouvre très peu. Vous êtes peut-être comme moi, mais on les ouvre très peu. Par contre, tous mes livres de naturopathie, de santé au naturel, tout ça bien sûr je garde, ils sont très très précieux à mes yeux. We could be going out every night under the light and trying out brand new drinks. Et je voulais aussi vous montrer deux, trois petits livres que j'ai trouvés en rangeant et qui sont vraiment des livres incroyables que j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, c'est ceux-là. Des livres qui ont vraiment changé ma vie il y a quelques années. Et juste après, vous verrez des livres, quelques livres que je veux vendre, que je ne veux plus avoir à la maison, donc tout ce qui est en rapport avec le New Age, l'ésotérisme, les énergies, etc. Tout ça, je ne veux plus avoir à la maison. Les cartes oracles, etc. Donc tout ça, ça va partir. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. C'est pas une pièce qui doit être super bien décoré, etc. C'est vraiment ma pièce pratique, donc je l'ai fait comme ça. Donc là, il faut encore que je fasse le ménage. Donc là-bas, j'ai fait mon coin Vinted, donc c'est tout ce que j'ai à vendre. Il y a certaines choses qui sont déjà sur mon Vinted, il y en a plein d'autres que je dois mettre. Donc voilà, tout est là-bas. Et derrière la porte, là, j'ai les cartons et tout ce qu'il faut pour emballer. Donc j'ai fait ça, j'ai mis quelques photos ici. Mon petit coin bibliothèque avec donc les livres que je garde. Je suis contente d'avoir fait le tri. Voilà, j'ai mis des petites choses, des fleurs éternelles que m'a offert Thomas. Ici, j'ai aussi le recueil d'écrits de mon arrière-grand-mère que j'ai mis ici. Là, j'ai mis une petite table avec ici un fond pour faire des photos ou des vidéos. Donc, que je peux accrocher ici au mur. Ici, j'ai un de mes appareils professionnels pour les cheveux que je vends sur ma boutique. Voilà, ça c'est tout ce que je dois jeter. Voilà, donc là j'ai encore mes lampes que je vais ranger là derrière. Et donc le bureau, je vous l'avais déjà montré, celui-là il est terminé. Il faut encore que je trouve une place pour cette déco. Et puis voilà, mon petit fond pour les vidéos avec la guirlande de LED. Et donc ça, c'est les meubles pleins, remplis à craquer.
Voilà, et du coup, j'arrête le bureau pour aujourd'hui. Je vais aller faire la pâte à pizza, faire la promenade, etc. Et demain, on continue et on va remplir ce petit calendrier pour le travail. Et évidemment, il y a plein de choses encore à trier. C'est tout ce que je dois ranger, les choses qui vont en bas, les choses qui vont dans les dressings, dans les stockages de vêtements, blablabla, etc. Dans la salle de jeu, dans la salle de bain. Bref, il y a encore pas mal de rangements à faire. C'est vraiment l'objectif que aujourd'hui j'ai terminé et que je puisse attaquer le reste demain. Terminé aussi de ranger l'escalier qui mène au grenier, comme je vous avais montré dans la dernière vidéo. Donc vraiment, j'avais à cœur de tout terminer, que tout soit nickel, propre, organisé et rangé. Et c'est très satisfaisant. On a aussi fait la salle de jeu, les chambres. On a vraiment fait tout le grand ménage de l'étage. Alors, il est plus de 16h. Et donc là, juste avant d'aller prendre l'air, je vais juste lancer la pâte à pizza. Donc c'est la pâte à pizza que je fais depuis des années de Hervé Cuisine, du blog de Hervé Cuisine. Et elle est inratable et vraiment délicieuse. Donc généralement je fais le double quand il y a Thomas, mais là comme il n'est pas là, je vais faire la recette classique de base. Donc il vous faut 500 g de farine de blé, un sachet de levure boulanger, 250 ml d'eau à température ambiante, une cuillère à café de sel et une cuillère à soupe d'huile d'olive. Donc je vais utiliser le robot pétrin, je vais tout mettre dedans, je vais pétrir jusqu'à ce qu'il y ait une belle boule qui se forme et ensuite on va laisser lever ça pendant 1 heure. Et voilà le résultat, donc 3 minutes de pétrissage, vous voyez, elle est parfaite, il n'y a rien qui colle au bord, elle n'est pas du tout collante, elle est hyper facile à travailler après. Donc là, je vais simplement mettre un film au contact de la pâte et je vais mettre ça dans mon four. Le four éteint, bien sûr, mais c'est juste pour que ça soit à l'abri des courants d'air et au chaud, entre guillemets, même s'il n'est pas allumé. Et je vais laisser ça reposer pendant 1 à 2 heures, voilà, et ensuite... Bah, je vous montrerai la suite quand on prépare les pizzas. Et voilà, ça a bien levé. Donc là, ça fait 1 heure et demie que je l'ai laissé poser. Donc là, je vais la sortir. Je vais étaler mes 2 pizzas. Et ensuite, je vais encore laisser monter une bonne demi-heure, une fois que la pâte est étalée. Et ensuite, on pourra les préparer. Need to keep busy, trying to eat the hours away. Who knew that I like Milky Way? Wake up, I'm ready to go. Yeah, feeling so good in control. Yeah, think of the places I could be. So I give up and watch TV. I think I'm going crazy, pacing around my room. Et voilà, donc comme vous le voyez, je les étale
pas trop trop fin, parce que j'aime bien quand la pâte est épaisse. Quoique là, j'ai même l'impression que je fais un peu trop fin, on verra. Et comme vous le voyez, je ne m'embête pas du tout à essayer de faire une forme ronde, etc. C'est vraiment le cadet de mes soucis. Finalement, ça aura le même goût. Voilà, j'étale et puis ça a la forme que ça a. Et puis ça va très bien aussi. Donc on va laisser ça pendant, on va dire, une demi-heure, trois quarts d'heure, un petit peu gonfler tranquillement, encore un petit peu. Et ensuite, on ajoutera les garnitures qui vont être très simples. On va juste mettre de la sauce tomate, de la mozzarella, quelques petits poivrons surgelés éventuellement, je vais voir. Et ça sera tout. Oui, c'est trop bon. Alors, voilà. Donc, ça fait une bonne demi-heure que ça lève un peu. J'ai rabattu un petit peu les bords. J'ai préparé une petite sauce tomate avec des poivrons surgelés. De la mozzarella, j'ai allumé mon four à 220 degrés, donc là je vais les préparer et les enfourner pour 10 minutes. Sunday mornings hiding under covers. I don't mind staying in with you. Play your favorite movie. Alors ce matin, avant toute chose, il me reste une plaquette de beurre que j'avais achetée pour faire les sablés de Noël. Et comme il faut absolument que je l'utilise, je me suis dit que j'allais faire de la brioche. Donc avec la plaquette de beurre là, je vais pouvoir faire deux énormes brioches. Donc je vais faire des brioches style galette des rois, donc en forme de couronne avec des pépites de chocolat et une fève à l'intérieur. Et je vais vous montrer la recette. Je la fais tout de suite ce matin parce qu'il y a pas mal de temps de pause, 2 fois 2 heures. Donc là, il est 9h15. Il faut que j'attaque. Donc, il me faut du beurre, de la levure de boulanger, du sucre, de la farine, pas mal d'œufs et du sel. Voilà, il faut juste ça. Il n'y a pas de lait, rien d'autre. Je vous mettrai la recette dans la barre d'infos. En fait, c'est la recette d'un blog, d'un site. Et moi, je la fais en double pour avoir vraiment une grosse quantité et surtout pour écouler toute cette plaquette de beurre. Comme ça, elle n'est plus là et c'est bon. Voilà, donc j'ai tout mis dans mon robot pour pétrir. Donc il y a la farine, le sucre, le sel et la levure de boulanger. Maintenant, je vais rajouter les œufs et je vais lancer le pétrissage pendant quelques minutes. Et ensuite seulement, une fois que c'est bien mélangé, j'ajouterai le beurre. When we are together, we always have fun throughout the day. I'll do anything to get your... Voilà ce que ça donne. J'ai fait 2-3 minutes de pétrissage et maintenant, on va rajouter le beurre. En petits morceaux et ensuite il faut, comme indiqué sur le blog, il faut pétrir pendant 20 minutes. Il faut surtout pas faire moins, c'est ce qui fait qu'après il y a vraiment une brioche qui réussit. Donc je vais programmer ça sur 20 minutes et je vous montrerai ce que ça donne. Beurre y ajouter, franchement ça fait très mal à mon cœur de naturopathe de mettre autant de beurre dans une recette. Mais bon, allez, on va faire une vraie brioche de boulanger. Je l'ai fait à Nouvel An, elle est vraiment super bonne. Voilà, c'est pas toutes les semaines, c'est très 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 rare. Donc on se fait plaisir. De toute façon, je vais pas le jeter, ce serait trop dommage. Donc ensuite, j'ai mis la fonction donc bakery, donc pour pétrir, et 20 minutes.
Et je vais fermer mon couvercle, lancer tout ça. 5 minutes sont passées, donc vous voyez, elle est bien pétrie, c'est une jolie pâte. Maintenant, je vais mettre un film alimentaire au-dessus, comme ça, je suis posée au contact. Et on va laisser, on va refermer le couvercle et laisser pousser pendant 2 heures. Pendant ce temps, j'enlève la déco de Noël. Donc vous allez voir, j'enlève vraiment tout ce qui est en rapport vraiment, vraiment avec Noël. Mais tout le reste, toute la déco hivernale, je la laisse jusqu'à fin février au moins. My kind of party, no drinking, just conversations and thinking. I like to know what you're thinking, but I'm kind of shy, I don't look it. I saw the chance and I took it. Voilà, donc pour la déco dite de Noël, c'est bon. Moi, j'enlève pas la déco hivernale, donc tout ce qui est sapin, voilà, tout ce qui fait penser un petit peu à l'hiver, je l'enlève pas du tout. Je la laisse jusqu'à ce que je mette la déco de printemps, en fait. Donc, on va dire fin février, début mars, je pense que je mettrai la déco, la déco de printemps, de Pâques, etc. Donc, je vais laisser la couronne, je vais laisser les guirlandes d'étoiles, je pense. Hein, mais j'ai laissé les petites boules de neige. Voilà, comme ça, ça me paraît plutôt pas mal. Et voilà pour la table, voilà pour le buffet. Donc j'ai enlevé le calendrier, le grand sapin calendrier de l'avant. Et j'ai laissé tout ce qui fait hiver. Et par rapport aux étoiles là-haut, je me suis dit que je vais aussi les laisser parce que c'est quand même trop joli le soir quand on l'allume. Voilà, donc ça va rester comme ça jusqu'à la déco de printemps. Pareil pour les flocons de neige là-haut. Tout ça, je vais laisser. Je vais peut-être enlever l'étoile là encore. Et voilà, regardez comme ça, hyper levé, c'est jusqu'en haut du bol. Donc là, ça fait, je pense, bien 2h30, voire un peu plus que ça lève. Donc maintenant, je vais la travailler un tout petit peu. Je vais rajouter les pépites de chocolat, je vais façonner mes couronnes. Et ensuite, on laissera encore lever 2 heures supplémentaires. You always let me know. Et voilà, donc je les ai façonnés comme ça en forme de couronne. Et maintenant, je vais les laisser pousser à nouveau 2 heures. Et vous allez voir que ça va bien, bien gonfler. Et après, ça va encore une fois gonfler à la cuisson. Donc normalement, ça devrait bien réussir. On verra ça. Donc je vais mettre directement dans le four éteint bien sûr. Et je vais laisser ça 2 heures. Ensuite, on pourra faire la dorure. Et on pourra enfourner. Donc ça, c'est le fameux
calendrier dont je vous ai parlé, familial, que j'ai trouvé chez Action pour moins de 2,50 €. Donc il est vraiment très bien, c'est à chaque fois sur une semaine et vous avez vraiment plein de place pour écrire voilà, ce que vous avez prévu pour la journée. Vous pouvez mettre les menus du jour si vous les préparez à l'avance, etc., etc. Je trouve qu'il est vraiment super pour ce prix-là et puis il est vraiment grand, vous voyez, par rapport à ma main. Alors ça y est, j'ai planifié à peu près ma semaine, surtout le premier jour. Donc ça c'est le deuxième calendrier que j'ai pris à Action, pareil, moins de 2,50 €. Il est super chouette, on peut le poser comme ça, hop, sur la table. Donc pareil, c'est toujours à la semaine, donc vous avez lundi, mardi, mercredi, etc. Et vous avez plusieurs colonnes ici. Donc moi, ça sera vraiment le planner que j'ai utilisé pour YouTube et pour Jolimois. Donc j'ai mis une colonne YouTube et toutes les autres colonnes, c'est pour Jolimois. Donc les posts Facebook, Insta, TikTok et gestion de mon équipe. Pour le boulot que j'ai à côté encore, je suis responsable de vente de producteurs locaux une fois par semaine. Là, j'ai pas besoin de m'organiser, de planifier quoi que ce soit parce que c'est toutes les semaines la même chose, les mêmes jours, des tâches répétitives. J'ai pas besoin, enfin, je m'en sors très bien sans me l'écrire. Donc, comment je me suis organisée pour Jolimois? Je pense que je vais essayer de faire un thème par semaine. Donc là, j'ai choisi le thème remise en forme après les fêtes pour le début d'année avec la détox, l'alimentation, etc. pour tout de suite bien commencer l'année. Et donc, je vais partager toute la semaine sur ce thème sur mes différents réseaux sociaux. Donc, je vais essayer de faire ça. On verra ce que ça donne. On va essayer sur 2-3 semaines et je vais voir si c'est efficace. Et ce dont je voulais parler, voilà, c'est l'offre recrutement. Donc, je vous avais dit dans la vidéo précédente que pour Jolimois, donc le 8 janvier, donc aujourd'hui, lundi, le jour où sort la vidéo, on a une offre recrutement qui commence et qui dure jusqu'au 22 janvier. Et en fait, on vous offre 25 € de produits quand vous vous lancez dans l'aventure. Donc, concrètement, quand vous vous lancez dans l'aventure, vous prenez votre pack business à 49 €, donc c'est-à-dire que vous choisissez 49 € de produits sur la boutique que vous recevez. Et en fait, là, vous allez prendre votre pack à 49 €, mais vous aurez pour 74 € de produits. C'est-à-dire que vous aurez un bon d'achat de 74 €, 25 € offerts, et vous pourrez prendre les produits qui vous plaisent. Il y a une nouveauté, c'est que... alors déjà, de base, quand vous vous lancez dans l'aventure, vous avez une formation. Vous avez un parcours de démarrage, vous êtes hyper bien formé. Mais là, en plus, ça va un peu plus loin avec cette offre, c'est que vous allez pouvoir choisir différentes thématiques. Donc, par exemple, vous pouvez choisir un pack skincare, un pack cheveux, un pack complément alimentaire. Et en fait, selon le pack que vous allez choisir avec les produits qui sont dedans, vous allez avoir une formation spéciale sur ces produits et sur cette thématique. Et ça, c'est vraiment pour vous aider à démarrer vraiment tout de suite au taquet, quoi. Pour vous aider à démarrer tout de suite et pouvoir rapidement faire vos premières commissions. Donc, je ne vais pas en parler beaucoup plus ici. Je vous laisse tous les liens en barre d'infos. En tout cas, sachez, si vous ne connaissez pas Jolimois, que en fait, en gros... Vous pouvez vous lancer à votre compte, devenir styliste avec Jolimois. Vous allez avoir une boutique en ligne avec plus de 80 marques dans plein de catégories différentes. On a des très très belles marques très connues comme Manicuriste pour les ongles, MAC pour le maquillage, Dr. Oshka pour les soins de la peau, tout ce qui est bio. Il y a vraiment plein de belles marques, Dermalogica, etc., etc. On a plein de catégories différentes. Maquillage, soins du corps, soins du visage, compléments alimentaires, huile essentielle, culottes menstruelles, tout ce qu'il faut pour les cheveux, des appareils professionnels de beauté, esthétique, etc. Il y a plein de choses.
Et donc, vous faites vos commissions par la recommandation de produits. Donc, vous pouvez vous spécialiser dans les thématiques qui vous plaisent et recommander les produits sur les réseaux sociaux ou sur le terrain directement, et vous gagnez vos commissions ainsi. Et également en parlant de l'activité autour de vous et en construisant une équipe aussi de commerciaux. Voilà, c'était en gros. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. Et sinon, je vous laisse tous les liens en barre d'infos. Donc je vous ai montré pour l'organisation. Donc on a pour mon travail YouTube et Jolie Moi, j'ai mon planeur que je laisserai à mon bureau. En bas à la cuisine, je vous ai montré tout à l'heure, j'ai le planning, enfin le calendrier familial où je note voilà les rendez-vous, les sorties scolaires, etc. etc. Et j'ai les petits carnets d'action là qui sont en vente actuellement. J'en ai déjà pris 3 pour avoir du stock parce qu'ils sont vraiment bien, vous voyez. C'est des to-do list comme ça, donc vous mettez la date du jour et hop, et après vous cochez quand c'est fait. Donc ça, je l'utilise beaucoup, vous voyez, j'ai des listes remplies. Et donc ça, c'est aussi à la cuisine et le matin, j'écris ce que j'ai à faire, ce qu'il ne faut pas que j'oublie. Et voilà, et donc j'espère me tenir à toute cette organisation. Et c'est parti pour 2024, j'espère que ça sera une bonne année. Et voilà, regardez-moi ça comme ça, bien levé encore. Donc maintenant, on va passer à la dorure. Et voilà, la brioche est très très bonne. On se régale. La fève a déjà été trouvée par Satine. Et je n'ai pas continué à filmer le reste de la soirée. J'étais vraiment hyper fatiguée. Physiquement, j'étais au bout du rouleau. J'avais un peu trop tiré sur la corde pendant tout ce week-end à faire tout ce gros rangement, etc. Je ne me suis pas posée de la journée. Donc, j'ai arrêté de filmer à ce moment-là, à l'heure du goûter. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve très très vite pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite une très belle rentrée scolaire et un très bon début d'année. Et je vous embrasse, prenez bien soin de vous.